Et bonsoir. Enfin, je dis ça par habitude, hein, mais bon matin. Comment ça va les gens? Salut Azura, salut Disque Miroir. Comment ça va? J'espère que vous avez préparé votre petit café. Salut Magie. On tente un nouvel angle de caméra. Comme ça, quand je regarde le chat, je regarde presque la caméra. Que je la mette genre là. Ah, ça fait un peu plus naturel et quand je code, je regarderai là comme ça, vous voyez. Je me dis c'est pas plus mal, ça fait un autre angle de vue. Salut Purexo. Salut Pervading Animal. Hello, ça va bien? Ça va bien et vous? Alors aujourd'hui, c'est un jour où j'ai congé. Et qui dit j'ai congé dit je stream. Ha. Salut Akana, hello, hello, hello. Bienvenue. Alors, je vous préviens déjà, ça va être un stream assez court ce matin, genre une heure et demie. Et on en refera un ce soir. On en refera un ce soir. Petit café après la piscine. Ah, Oxygen Not Included. Très 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 bon jeu. Très bon jeu, je valide. Je valide, excellent jeu du studio Clay. C'est magnifique. Comment ça va sinon vous? Vous avez passé un bon week-end? Hier c'était la fête nationale en Suisse. Eh ben j'ai rien fait. Voilà, les feux d'artifice sont interdits à cause d'incendie. Donc voilà. Petit thé, bah, thé, café, tout ça, pareil, petite boisson du matin pour se mettre bien. Se mettre bien. Il faudra qu'on fasse un stream une fois où on refait l'overlay au complet là. Parce qu'on met cette petite barre en bas là qui a rien, il n'y a plus aucune info. Parce qu'à l'époque j'avais les viewers qui s'affichaient, les followers et autres. Là j'ai rien. J'ai rien parce que j'ai plus les datas. Et il faut qu'on refasse ça correctement, un peu mieux quoi. Histoire d'avoir un truc un peu plus sympa, le chat aussi on l'avait un moment là-haut, là, faut qu'on refasse ça un peu plus sympa quoi. Alors, messieurs, dames, ce matin, du coup, on va faire un... Attendez, il faut que je regarde là du coup, parce que si je regarde ma caméra qui n'existe plus, ça va pas aller. On va faire un petit coup de veille technique, on va regarder des articles que j'ai pour la plupart déjà lus, mais on peut en parler ensemble, c'est ça qui est pas plus mal. Et puis, suivant le temps qu'on a, on va peut-être tester deux, trois trucs. Et ce soir, on va parler d'un de mes tweets que j'avais fait. Si je vais sur mon Twitter, c'est très bon Fred pour le nucléaire, si jamais, c'est ça. Voilà, j'avais fait un tweet qui demandait, surtout aux débutants ou autres, quel est un concept qui vous a dérangé en fait, que vous avez trouvé compliqué quand vous avez essayé d'apprendre le JavaScript. Et je suis très content, il y a eu beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup de réponses, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va un peu parler de ce thread, enfin de cette question et des réponses que j'ai obtenues des gens. Et on va après. Déjà essayer d'expliquer s'il y a des gens qui ont répondu là et qui sont là, peut-être essayer d'expliquer. Et en même temps, j'ai prévu du coup d'écrire peut-être un article sur le sujet, tout simplement sur les concepts compliqués que j'ai eu. On peut voir que l'asynchrone et les promesses, hein, c'est souvent revenu. Ou l'event loop, récursivité, callback, promesses, bon, les symboles, les promesses. Bon, ça c'est de autre chose. Async await, promesses, etc., etc. Donc c'est assez revenu assez souvent. Donc moi je pense qu'on va plutôt faire ça ce soir parce que ce matin ça va être un live court et j'ai pas envie d'être limité dans le temps pour ce genre de live. Histoire que tout le monde dans le chat ait compris. C'est mon but. Tout le monde dans le chat doit comprendre. Je suis chaud si t'as un peu de temps ce matin pour m'expliquer le slutter counter. Oui, ça fait partie des trucs qu'on va voir. Ouais, il y a les générateurs là. Il y a quelqu'un qui a parlé de yield. Yield. Yield, d'ailleurs, j'avais partagé un petit moment le talk de Anjana Vakil sur les générateurs en JS. C'est un très 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 bon talk. Je vous l'envoie dans le chat. Très bon talk. C'est une très très bonne développeuse. Elle a fait plusieurs cours, plusieurs vidéos. Je pense que vous la connaissez pour la plupart de celles-là. Cette vidéo qui date maintenant où elle parle de la programmation fonctionnelle. Et ben, elle a refait. Oula. Ça c'est bien là. Voilà, exactement. Je cherchais l'onglet. Et très très bonne vidéo où elle explique justement les générateurs en JS ainsi que quelques cas d'utilisation qui sont plutôt pratiques.
Yes. Quand je lis une question comme la tienne, sur le coup, il ne me vient rien et c'est seulement maintenant que je trouve avec Node.js, j'ai fait mal entre le JS client et le JS serveur. Yes, on pourra en parler aussi ce soir avec plaisir, Azure. Yes, avec plaisir. Et du coup, dans les trucs qu'on va papoter, parler, et ben, en premier lieu, attendez, je vais ouvrir ici. Comme ça, je peux avoir les liens. C'est en stream YOLO, hein, j'ai rien préparé. Je sais un peu de quoi je vais parler, mais j'ai pas les liens. Il faut que je les récupère. Bon, je vais déjà pouvoir aller là-dessus. Alors bon, j'attends grandement qu'il y ait un système d'affiliation pour ce site. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Mais Frontend Master, il y a actuellement, en ce moment même, je ne sais pas si je peux le voir sans être connecté. Oui, en ce moment même, il y a un live de Kent Seedod à propos de Remix. C'est un workshop de 2 jours, si jamais. C'est en live, ça démarre aujourd'hui. Je ne sais pas quand c'est, du coup. Vu que moi, les time zones dans ma tête, ça va pas bien. Mais aujourd'hui, vous avez donc le workshop de Remix. Donc, si vous avez un compte sur Frontend Master et que vous payez, vous pouvez y accéder en live et poser vos questions dans le chat ou dans le Zoom call. Ou si vous êtes sur place, ben sur place à Kensi à propos de Remix. Si jamais si ça vous intéresse, dans les derniers cours qu'ils ont sortis aussi, ils ont fait CSS Animation et Transition de David Kourchid. Très très bon cours que j'ai commencé et j'ai pas fini encore. Hâte de le voir. Bon, là il y a des cours d'un peu de freelancing. Et l'autre cours qui semblait intéressant, le cours sur les Web Components de Dave Rupert, si jamais. Aussi très très bon cours que j'ai fini. Il parle de Lit. D'ailleurs, c'est vraiment sympa. Voilà, alors ça c'était les petites news de Frontend Master, si jamais pour ceux qui voulaient suivre le workshop en live. D'ailleurs, dans les prochains workshops, je sais pas si je peux les voir ici sans être connecté, mais il y en a vraiment des cool. Attends, je vais me connecter, ça sera plus simple, je crois. Pouf. Voilà. Et workshop. Dans les prochains, bon, demain il y a Remix avancé. Sinon, il y a aussi en cours sur les algorithmes de PrimeAgent. Vraiment sympathique aussi. Et bon, après, il y a des trucs sur Vue, Next, etc. etc. Tailwind, mais ça, c'est plus en fin d'année. Voilà. Donc, si jamais je sais que je fais beaucoup de blabla à propos de ce site, mais c'est vraiment un site extraordinaire. Si vous faites du JavaScript, que ce soit en back ou en front, ça coûte pas cher. 30 balles par mois, vous pouvez prendre juste en mois 30 francs, et, enfin 30 euros. Et regardez en cours, deux cours, ça va déjà ça va vous donner plus de plus-value que les 30 balles que vous avez payées, quoi. C'est bien Remix ? Non. Enfin, moi, j'aime pas. Je suis pas le client. Voilà. Mais faites-vous votre propre avis. C'est trop cher, Frontend Master. Bah, ça va en fait, hein. C'est 30 balles. Et dis-toi qu'il y a des milliers et des milliers de dollars de valeur de cours là-dessus, quoi. Donc, imagine que si tu suis en cours dessus, ok, en cours, ça va te prendre quoi, un week-end, 3 jours, 4 jours. Tu vas payer donc 30 balles. Tu vas prendre que en mois. Tu vas pas prendre l'année, ça te sert à rien. Tu prends en mois 30 balles, ok. Et avec ce que tu as appris durant ce cours-là, tu gagnes, allez, on va dire 20 minutes par jour. Et ben, ça, tu gagneras déjà plus. Enfin, tu vas gagner plus en termes de temps que ce que tu as payé d'argent, si tu vois ce que je veux dire. Et tu seras moins stressé à ton travail, tu vas plus comprendre les choses, etc. Donc, franchement, c'est tout bénéfique. Peut-être proposer une roadmap. Yes. Ça vaut, c'est les vaux. Ouais, c'est les vaux, clairement. Hein. Franchement, faut essayer pour comprendre, quoi. Salut Stéphouille. Hello. Donc ça c'était le premier truc. Deuxième truc, pour ceux qui ont suivi un peu, je vais retourner sur mon Twitter en fait, parce que j'ai beaucoup de trucs que j'ai posté là-dessus. Je vais scroller un peu. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon. J'ai sorti de nouveaux packages pour Adenis actuellement. C'est un système de queue qui est basé sur BullMQ, donc c'est un système de queue assez connu sur Node, qui utilise Redis pour que ça fonctionne. Voilà, donc c'est un système assez simpliste avec une API très très simple pour le moment. C'est un système que nous on utilise en interne à Seten et je me suis dit pourquoi pas le fournir en public. Donc c'est pas un truc non plus énorme, on va dire, mais ça vous parlait
de dispatch des jobs assez facilement, de les typer et de handle le job, donc des workers dans des autres threads, tout simplement, histoire d'éviter de bloquer votre event loop et votre main thread qui devra rendre aux clients les infos. Donc assez simpliste, hein, vraiment, il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Vous créez une classe dans un dossier arbitraire et vous le dispatchez avec le fully qualified namespace, comme on dirait en PHP, c'est en string, en JS, voilà. Et c'est typé de la même manière qu'on type les events dans Adonis, tout simplement. Donc on a une interface qui s'appelle JobList, vous mettez le nom du job, donc c'est le même nom qui est ici, et après ben, vous tout simplement lui envoyez le payload qui devrait utiliser, que vous déclarez ben, dans votre même classe. Voilà, donc c'est vraiment tout simpliste, très simple, on utilise ça à Seton pour tout ce qui est Stripe et Cloudflare, vu qu'on interagit avec ces API. Et je vous conseille ben, de pourquoi pas l'essayer tout simplement, hein. Ça nécessite Redis par contre, donc je vous invite à avoir un Docker Compose ou Redis installé sur votre serveur pour l'utiliser. Voilà, ça c'était le premier petit package. Deuxième package qui a été sorti aussi par Seton, c'est un provider pour Mercure. Alors Mercure, on en a souvent parlé dans ce chat, dans ce stream. Et pour ceux qui suivent GraphicArt, vous connaissez peut-être, Mercure est un client, un protocole pour faire du server sent event. Voilà, c'est fait par Lithiol, une entreprise française qui est aussi contributeur sur Symfony. C'est vraiment génial, ça vous évite toute la merde que les WebSockets peuvent créer et ça vous permet de faire du SSE. Donc du SSE, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le serveur qui pousse une information au client. Je vois beaucoup de développeurs qui utilisent les WebSockets pour cette raison, pour avoir simplement un moyen de pousser quelque chose depuis le serveur sur le client. Et les WebSockets, officiellement, c'est une connexion duplex. Donc le serveur est connecté au client et c'est un tunnel qui va dans les deux sens. Donc le client peut envoyer des informations via socket et le serveur peut envoyer des informations via socket également, et entre les clients aussi via socket. Maintenant, ça c'est overkill pour la plupart des cas entre guillemets d'utilisation que je vois de WebSocket, où là où Mercure serait très très bien, parce que pour récupérer, enfin pour que le client communique au serveur, on a déjà quelque chose qui s'appelle les requêtes asynchrones, hein, avec fetch et tout ça. Et la seule chose qui nous manque en général, c'est tout simplement un moyen que le serveur pousse sur le client l'information, et Mercure nous permet de faire ça. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous l'installez, vous avez besoin bien sûr d'avoir un hub qui tourne, hein, donc là Docker Compose, Schmilblick, hein, tutti quanti. Bon là c'est la config, on s'en fout, on peut. L'usage c'est très simple, vous importez la classe update, vous faites un update sur ici, c'est un... Concrètement, c'est normalement censé être des URL, ok, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre trucmuche, tralala, le payload que vous voulez envoyer, et vous envoyez ça. Et là, tous les clients qui écoutent sur ce string arbitraire va recevoir l'information. Alors pourquoi c'est censé être des URL? Parce que vous pouvez faire des URL canonicales, donc vous pouvez mettre des sortes de tokens à l'intérieur en disant, bah, en fait, je vais écouter sur tous les slash user slash quelque chose, par exemple, vous voyez. Et du coup, côté client, bah, vu que c'est quelque chose qui est standard dans le web, hein, les event source, ça existe depuis 2006, je crois, vous n'avez rien besoin de faire d'autre que d'utiliser un event source ici dans votre code front. Voilà, donc le code front, ça correspond à ça, c'est très très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Et c'est réglé, quoi. Et puis ça gère, on a aussi le système d'authentification, histoire d'envoyer des updates privés aux clients, donc pas tout le monde peut écouter, hein. Par exemple, si vous avez un système de notification pour les utilisateurs, etc., etc. Donc ça, c'est un moyen très simple de pousser des infos depuis le serveur au client. Alors, je note pour Fontaine Master, ça a l'air de valoir le coup, expliqué comme ça. Ça vaut vraiment le coup. On peut en reparler un peu ce soir parce que, vu qu'on va parler de l'apprentissage du JS, je vais en parler. Seton, c'est une entreprise de blockchain. Comment tu gères les erreurs quand tu dispatches les actions? Tu gères dans le handler. Donc pour un jeu multijoueur, Mercure c'est parfait. Alors je sais pas si c'est parfait pour un jeu multijoueur, là t'as peut-être besoin quand même de socket parce que c'est censé être instantané, mais peut-être, ça dépend le type de jeu que tu fais en fait. Salut Nozarashi, salut Pichad. Hello, tiens, deux fois que j'entends parler des SSE en deux jours, mais j'ai toujours peur avec l'utilisation d'un reverse proxy. Je me sens qu'il faille payer un truc plus cher pour configurer ça. Après l'infra, ça c'est pas moi qui gère, quoi. Salut Tib, merci Azira pour donner de l'argent à Jeff Bezos, merci beaucoup, ça fait plaisir. Quelle heure est le stream de ce soir? Je pense que le stream de ce soir sera aux alentours de 19h30-20h si jamais. Mais le CC c'est vraiment pratique. Après, bien évidemment, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire, hein. Moi je parle
beaucoup du principe que je vois beaucoup de gens, même pour des chats, utiliser WebSocket pour des systèmes de notification, pour avertir à l'utilisateur qu'une action a été terminée, etc. Et tout ce genre de système, en fait, ça pourrait très bien fonctionner avec Mercure, qui est beaucoup plus simple à installer et utiliser que des WebSocket. Parce que le WebSocket a le même problème, quand tu me parles de load balancer et autres, avec différents serveurs, bah, tu as le même souci, en fait. Donc voilà, bah, je vous conseille d'essayer, en fait. Tout simplement. Autre point, ben ça on en a déjà parlé, on va parler ce soir. Merci beaucoup Nozarashi pour donner de l'argent à Jeff Bezos, ça fait plaisir. En plus les prix ont augmenté, non? Ah non, c'est le Prime. Ah mais merci Jura pour ton Prime, voilà, Prime ça a augmenté je crois. Autre nouveauté sur Adonis, il y a un package officiel du Rate Limiting qui est sorti finalement. Ça marche avec Redis, Postgres ou MySQL, le memory c'est que pour les tests, oubliez-le. En tout cas, c'est pas prévu, en tout cas pour la prod. Et merci beaucoup pour le follow Purexo. Merci, ça fait plaisir. Donc, c'est un package tout simplement qui vous permet de faire du rate limiting hein, sur vos endpoints. Hein. Donc, ça se passe comment au niveau code? Bon, ça, on s'en fout. Ça se passe comme ça, vous avez un fichier qui s'appelle limiter, voilà, rien de plus simple. Ou vous pouvez définir par route globale tout simplement. Et là, bah, vous pouvez dire, bah, si on lit le code, hein, je vais zoomer un petit peu. Si on lit le code concrètement ici, eh ben on lui dit ben, en global, écoute, j'aimerais que tu allo seulement 1000 requêtes toutes les minutes. Donc là, c'est bloqué à 1000 requêtes toutes les minutes. Et après, ben, vous pouvez tout simplement définir d'autres conditions. Ben, alors là, c'est une condition, par exemple, si tu es connecté, tu as droit à un peu plus. Voilà, tu as droit à 5000 requêtes par minute. Oui. Et de base, tu as droit qu'à 1000, etc., etc. Et là, en fait, vous pouvez définir ici, c'est un string. Et merci Purexo pour les sub-gifts, ça fait plaisir. Ah non, tu t'es abonné avec Prime 2 fois. Mais 2 fois. What the fuck. Merci beaucoup Purexo pour le Prime. Ah ben oups. Yes. Je sais pas comment. Ouais, mais j'ai vu ça chez plusieurs streamers, ça pop plusieurs fois. Du coup, merci de t'abonner 2 fois. J'espère pas que t'as payé 2 fois. Et nous sommes dans le hype train. Oh magnifique. Niveau 1, je crois que personne en Suisse a passé le niveau 1, hein, si jamais. C'est insane. Et vous pouvez définir bah, plusieurs keywords en fait. Ce mot là, ça c'est complètement arbitraire. Vous pouvez définir ce que vous voulez. Et après, bah, vous l'appelez dans un middleware. Oula, comme cela ici. J'ai un problème de scroll. Des fois, il scroll tout seul. C'est assez chiant. Et voilà. Donc c'est une API vraiment fluide, assez simple à utiliser. Un fluide, donc ça on enchaîne avec des points, 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 et ça se lit comme de l'anglais. Tout simplement hein. Vraiment cool si vous avez besoin de faire du rate limiting et vous avez plusieurs exemples hein, un peu plus complexes et également avec les ça c'est juste l'API doc, voilà, rien de plus simple. Donc c'est vraiment cool. J'ai cliqué une fois sur le bouton. On va savoir. On va pas se poser des questions, c'est Amazon. Ça date d'hier. Pour ceux qui connaissent pas, Sam Selikov. Oui, merci. C'est un très très bon YouTuber entre guillemets, mais développeur en fait, qui fait des très très bonnes vidéos. Il a très peu d'abonnés. Sam Selikov, très très peu d'abonnés. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et fait beaucoup de vidéos sur React et sur Lui et l'UX. Ça, on va voir un peu ses vidéos sur lui et l'UX sur YouTube. Voilà. Et il en a sorti une hier dans Pattern que j'avais appris il y a longtemps et il l'a très très bien expliqué. C'est comment ajouter du délai en fait à vos actions peut améliorer l'UX. Donc du délai pas côté back, hein, ça ne le faites jamais, mais du délai côté client. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient suspense pour justement éviter d'avoir des problèmes de spinner, vous savez, qui flash genre pouf. Quand vous faites que si c'est loading, il y a le spinner qui s'affiche et quand c'est plus loading, il s'enlève. Et du coup, vu que ça prend une milliseconde, votre truc, ça se flash. Bah, des gens se disent, ouais, avec suspense, il y aura plus de problèmes parce qu'on peut dire que si le loader, il s'affiche qu'après X temps, etc., etc. Sauf que, mais s'il s'affiche une milliseconde après ce X temps, bah, ça fait la même merde. Enfin bref. Et le concept concrètement, c'est de forcer en durée minimum, c'est-à-dire que vous faites 2 promesses. La promesse réelle qui va faire l'action et une autre promesse qui est résolue au bout de 500 millisecondes par exemple. Et du coup, bah, quand vous cliquez, bah, vous avez un petit loader qui s'affichera pendant une demi-seconde et pouf, il disparaît, même si l'action a duré 5 millisecondes et autres. Et ça donne une impression de satisfaction et de réussite au client. Tandis que si vous avez un truc qui flash, le client pourrait penser que ça a planté, enfin l'utilisateur, hein, que ça a planté, que ça n'a pas fonctionné ou je ne sais quoi. C'est pas très user-friendly, c'est pas une superbe user experience. Et du coup, bah, là, il présente tout simplement, je vais enlever le son, il présente exactement ça. Concrètement, il explique avec son bouton save, etc., que c'est pas oufissime. Et il explique comment traiter les erreurs également, parce que si vous le faites mal, vous avez l'erreur qui s'afficherait directement. Etc. Et du coup, à la fin, ça donne un truc comme ça. Some news data, paf,
Il clique sur save, il y a le petit spinner et pouf, c'est fait. Voilà. Donc ça ajoute pas vraiment de délai monstre pour l'utilisateur, hein, donc il va pas se dire ça a planté, mais ça ajoute un petit truc en plus, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, et pas hésiter à l'utiliser dans vos applications si vous faites beaucoup de front et à suivre ce monsieur qui fait des très très bonnes vidéos de très haute qualité à chaque fois. Elle est vraiment cool sa chaîne, exactement. Autre petit point, il y a Ben Hamed Houssama, je suis désolé si j'ai écorché son pseudo, qui nous a sorti deux packages sur Adonis à nouveau. Hein. Bon, je parlais beaucoup d'Adonis, mais voilà. Premier package, c'est un système de observer. Pour ceux qui font du Laravel, vous connaissez peut-être déjà, en fait, dans Adonis, vous pouvez effectuer des hooks sur vos modèles. Hein, donc avant que ça ait été sauvegardé, après ça a été sauvegardé, avant que ça ait été créé, avant que ça ait été mis à jour, etc. etc. Et concrètement, ça peut un peu rendre votre modèle lourd à lire si vous avez beaucoup de hooks à l'intérieur. Et ce monsieur-là a sorti le modèle Observer sur vos modèles. Donc concrètement, vous avez une classe qui va écouter ce qui se passe sur un modèle, voilà, tout simplement. Et suivant ce qui va se passer, vous pouvez agir là-dedans. Donc ça déplace les hooks dans une autre classe et ça permet de... on peut séparer les concerns de vos applications. Enfin, de vos classes, etc. Donc, c'est assez sympathique. Donc, la sortie, ce package, la semaine passée, se fera, ou cette semaine, le 27. Donc, c'était il y a quelques jours. Voilà. Et il a prévu de sortir un autre package. Alors ça, bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Concrètement, ce package-là, ça, c'est les form requests de Laravel dans Adonis. Donc, ça vous permettrait d'avoir une classe dédiée à une requête. Et du coup, vous avez l'autorisation dedans, ainsi que la validation des données dans cette même classe. Et ça consiste en ça, donc vous avez une méthode authorize où là vous allez faire des vérifications, si vous retournez true la méthode passe, si ça retourne false la méthode ne passe pas, vous recevez un 403 ou un 400, je ne sais plus. Et vous avez les règles ici pour valider votre requête, tout simplement qui utilise le validateur d'Adonis. Hein. Et niveau contrôleur, ça se passe comme ça, donc là vous mettez un petit décorateur form request et après le validated, vous n'avez plus besoin de passer votre validateur, c'est automatiquement validé. Et ça, en fait, c'est l'API de validation ici qui s'utilise. Quoi. Donc ça, c'est cool. Et sauf erreur, il a fait que ce n'était pas nécessaire d'utiliser le async local storage. Donc vos applications ne seront pas un peu plus lentes pour avoir le authorize ici et avoir accès au contexte, tout simplement, dans le code. Donc vraiment, ça, c'est pas encore sorti, je crois. C'est vraiment sympa de sa part. Et il me semble qu'il avait sorti un package de caching aussi dernièrement, mais je ne sais pas. Voilà, mais c'est vraiment un package assez cool quoi, qui est sorti. Parfait, ça c'est parfait. Paf. Merci pour le hype train qui finit. Wouhou, tchou. Qu'est-ce que j'ai eu moi? Oh, j'ai eu un chat. Trop bien. Un chat. Merci Killswitch14 pour le follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les mecs, c'est cool. Ouais, c'est toujours cool d'avoir des gens qui créent des packages plutôt que toujours la core team. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Autre point, article que j'ai lu dernièrement au niveau des soft deletion. Concrètement, on a tous l'habitude quand on veut faire un soft delete dans l'application. Donc, qu'est-ce qu'un soft delete? C'est en gros, ça consiste à quand vous voulez supprimer un enregistrement, et en fait, vous le supprimez pas, vous changez une date, par exemple deleted at, et vous mettez la date de la deletion. Pourquoi? Pour au cas où si vous avez besoin d'une corbeille ou de récupérer ce que vous avez supprimé, okay, le truc au cas où quoi. C'est le truc au cas où si le client se trompe, il appuie sur le bouton delete et il appuie sur la confirmation de la suppression par erreur. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et concrètement, comme on le fait, comme on l'apprend aux gens, on met un champ deleted at, voilà, qui est un champ date, et on le passe à la date du moment quand on veut supprimer. Voilà, ça c'est le truc qu'on apprend normalement, qu'on fait normalement. Et en fait, c'est pas forcément une très très bonne méthode. Et cet article-là, Soft Deletion Probably Isn't Worth It, vous pouvez retrouver sur mon Twitter le lien, explique tout simplement pourquoi c'est pas forcément ouf de le faire de cette manière. Et il y a plusieurs arguments, notamment le fait que maintenant chacune de vos requêtes SQL doivent être modifiées afin de ne pas inclure les modèles supprimés, enfin les enregistrements supprimés. Et si vous oubliez de les exclure, parce que là de base c'est inclus, et le problème serait tout simplement que vous vous retrouvez avec des données qui ne devraient plus exister dans votre résultat. Et merci, je m'hydrate. Voilà. Autre problème qu'on remarque beaucoup, je m'hydrate qu'une fois, hein. c'est un frottel. Hein. C'est...
faut que je le bloque, qu'on puisse le faire qu'une fois toutes les 10 minutes. Et l'autre problème qu'on remarque souvent dans les ORM, et ça c'est un bug qu'il y a dans beaucoup d'ORM qui gèrent les soft deletes, c'est que quand vous avez les soft deletes et que vous faites un OR WHERE, donc vous avez ajouté une condition, et ben le soft delete n'est pas correctement échappé, et du coup le OR va supprimer la condition du soft delete, parce que vous aurez soft delete machin is nul, OR, et vous aurez la suite. Et ça, c'est la mort, parce que du coup, ça vous retourne beaucoup de records faux. Donc bref, premier downside, les code leakage, pas ouf. Ça peut arriver très très facilement, et c'est vraiment pas ouf. Et salut à toi, Dracor, bienvenue sur le stream. Dracscore, pardon. Deuxième souci, vous perdez le système des foreign key. Exemple tout con qui donne ici, vous avez des customers avec des invoices, okay, avec des factures, donc des clients et des factures. Maintenant, vous voulez supprimer un client, donc vous passez son deleted at à une date précise. Et les factures, eh ben, il ne faut pas oublier non plus de les passer à une date précise de suppression, parce que sinon, vous avez des factures flottantes qui vont flotter sur un user qui est supprimé dans le système. Le problème, c'est que la DB, elle fonctionne très bien avec des foreign key, des clés étrangères, c'est-à-dire qu'une invoice est liée à un customer, ok. Et si vous supprimez le customer, bah, vous pouvez automatiquement agir sur l'invoice avec les cascades. Ok, donc vous pouvez supprimer les invoices, vous pouvez changer des champs dans les invoices, etc., etc. Mais le problème, quand vous changez juste le champ deleted add dans la table customer, eh ben, il ne faut pas s'oublier à faire toute cette suppression manuellement dans votre code en fait, et ça peut y créer des soucis, etc. Donc vous n'utilisez plus vraiment les clés étrangères pour valider l'intégrité de vos données. Et bref, il y a d'autres exemples un peu à droite à gauche, mais surtout en fait, qu'est-ce qu'il conseille du coup, comment faire en fait un système de suppression de soft delete au cas où vous en avez besoin, parce qu'on le rappelle, le problème, enfin l'utilité des soft delete, c'est concrètement de pouvoir restaurer une donnée qui a été supprimée, ok. Le problème aussi, ben, c'est qu'une donnée qui a été supprimée, généralement on ne supprime pas que l'enregistrement DB, on va peut-être supprimer deux trucs. Vous avez une photo uploadée sur S3, et ben, vous avez peut-être supprimé cette photo, donc si vous restaurez l'enregistrement supprimé, vous n'aurez peut-être plus cette photo, vous avez peut-être des pods, par exemple des serveurs, j'en sais rien, vous voyez, ben, les serveurs ils sont supprimés, voilà. Si le mec délète son compte, le serveur est supprimé, vous restaurez son compte, bah, il n'a plus son serveur. Vous voyez le principe. Donc si vous avez vraiment besoin de faire ce soft delete pour restaurer des données, et bah, une solution qu'il propose, qui est toute débile, hein, mais c'est tout simplement d'avoir une table qui enregistre les enregistrements supprimés. Voilà, donc elle a un ID. Quand elle a été supprimée, de quelle table ça a été supprimé, l'ID qu'il avait avant suppression, et bah, là vous avez un simple JSON et vous sérialisez votre enregistrement et que vous le stockez dedans, voilà, vous le stockez flap dedans, et du coup ça vous évite tous les soucis qu'on a cités avant. Vous n'avez plus de problème de leaking de données dans vos queries SQL, vous n'avez plus de problème de clés étrangères, etc. Votre table se prune automatiquement, et franchement, ben, c'est très très simple à utiliser, quoi. Vraiment, vous déplacez votre data là-dedans, quoi. Franchement, moi j'adore. Je pense mettre ça en place quand j'en aurai besoin prochainement, au lieu d'avoir un champ deleted at. Et donc très très bon article qui parle de ça. Franchement, moi j'adore. C'est vraiment cool. Next. Ça c'est pour. Je crois que c'était Azura ou Magie. Je sais plus qui en avait parlé. Mais le système de slotted counter. Ok. Donc ça c'est aussi un peu de pattern de design de base de données. Concrètement, qu'est-ce que ça corrige comme problème ? Le problème est que beaucoup de gens, et moi compris, hein, on a des compteurs dans la DB. Des compteurs, par exemple, ben, à chaque fois que vous ouvrez un article, vous incrémentez de 1 le nombre de fois que cet article a été visualisé. Ok ? Et ben, ça marche très bien, hein, sur des blogs ou des trucs comme ça, ou le nombre de DL, vous savez, vous téléchargez, pouf, ça augmente de 1, etc. Ça marche ça très très bien sur des systèmes peu utilisé entre guillemets. Le problème c'est que chaque fois que vous accédez à cette ressource maintenant, bah, vous allez en fait la locker pendant un petit moment en DB pour pouvoir mettre à jour la row de view. Et du coup, bah, si quelqu'un est en train d'éditer, etc., et merci Vanessa pour le follow, merci beaucoup. Si quelqu'un est en train d'éditer ce champ, et bah, en fait il sera locké, il ne pourra pas. Et bah, si vous avez beaucoup de visites, bah, le compteur il va tout le temps monter, et en fait vous allez tout simplement bloquer cet enregistrement. Et c'est pas vraiment pratique. Alors il y a des moyens plus simple, plus scaling, enfin plus scale friendly, on va dire, de faire des compteurs tout simplement. Et ben, cet article nous présente le slotted counters, et concrètement c'est très très simple, très débile. C'est que vous créez une table qui s'appelle slotted counters, qui a un ID,
Ok, là il y a un peu de polymorphisme. Le record type et le record ID. Donc là vous pouvez marquer, je sais pas, le type c'est article et là c'est l'ID de l'article. Ok. Un slot qui est un nombre random et le count qui est le count qui est à ajouter. Ok, et comment ça fonctionne ? En fait, pour incrémenter un compteur, vous allez faire cette chose-là. Et du coup, et salut à toi, Zalayetao. J'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Merci beaucoup pour le follow. Et comment ça fonctionne ? Du coup, ben, vous allez stocker le record type, article, voilà, l'article 456. Ça, on stocke un truc random, on s'en bat les reins. Et là, vous dites, ben, vous l'incrémentez de 1. Et si par contre, c'est dupliqué, ok, et là on note que le duplicata il est fait sur ces infos. Attendez, je vais zoomer un peu. Il est fait sur ces champs, donc le type, l'ID et le slot. Donc si vous avez deux fois ici le même nombre qui est généré, c'est pas grave, ça va incrémenter le count de 1 au lieu de le stocker 1 dedans. Et au final, si vous lancez plusieurs fois cette query dans votre DB, et ben, ça vous donnerait quelque chose comme ça. Ok, donc là c'est le count chaque fois pour le même enregistrement. Là c'est chaque fois pour l'article 456. Et ce que vous faites après, en fait, c'est que vous allez tout simplement faire un sum des champs qui correspondent à ça. Et donc là, ça va faire 1 plus 100 plus 100 plus 3 plus 100 plus 100. Et ça va vous retourner du coup le count pour ce champ. Et après, rien ne vous empêche d'avoir un job qui va qui va prendre en fait tous les counts associés et les relier sur le même slot, un slot qui est imaginaire. Et à quoi ça permet en fait d'avoir ce slot, ce nombre random ici qui est stocké ? Ça permet d'éviter d'avoir deux fois en fait le même champ qui part en écriture. Si vous avez deux personnes exactement au même moment qui accèdent à votre article et que vous devez du coup stocker le count, et ben ça va stocker dans deux enregistrements différents, normalement, bien évidemment, si le random fonctionne. Et ça évitera de bloquer l'arrow, parce que s'ils enregistrent sur le même, ça va enregistrer un, puis enregistrer le deuxième. Et en plus, suivant les langages que vous utilisez, ça peut créer des problèmes de race conditioning, parce que vous ne faites pas plus 1, vous prenez le record et vous faites plus 100. C'est-à-dire que les deux vont récupérer la valeur qui est à 2, par exemple, les deux vont la mettre à 3, et les deux vont la stocker à 3. Et ça va vous faire un count de plus 1 au lieu de plus 2, alors que deux personnes ont accédé à la donnée. Et ça, c'est le problème de race condition qui peuvent arriver quand vous utilisez des valeurs reçues pour les modifier et les restocker. Si deux personnes le font en même temps, ça peut créer des problèmes. Pareil, si deux personnes ouvrent une page d'édition dans un article, que quelqu'un fait quelque chose, fait save, quelqu'un d'autre sur l'autre page fait quelque chose et save, et ben le dernier qui a sauvegardé va écraser la version de l'autre personne. Il n'y a pas un merge magique des données, voilà. Et du coup, le fait d'avoir ce nombre random ici dans votre colonne, vous évite d'avoir ce souci parce que ça va stocker dans deux enregistrements différents qui map sur le même enregistrement ici, enfin sur la même donnée grâce à ces deux champs ici. Et après, bah, vous faites simplement en somme, on s'en fout du slot, en somme sur ces deux données du count. Et là, ça vous ressort le count tout simplement que vous avez besoin. Bah voilà, bah, là il y a l'exemple. Select sum count from slotted counters. Et salut Barca, c'est à ça que servent les logfiles en gros, enfin disons que les moyens existants pour bloquer la modif dans fichier de géo vert par exemple. Ouais, c'est pour ça que quand vous, pour ceux qui travaillent un peu en entreprise et que vous avez des serveurs de fichiers, quand vous ouvrez, alors maintenant c'est un peu modifié, mais à l'époque quand vous ouvrez un fichier genre DocX et que quelqu'un d'autre l'ouvre, ça vous dit attention, il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'éditer, tu peux pas le modifier, read only. Ou que ceux qui utilisent Joomla ou WordPress, hein, quand vous êtes deux sur l'admin et que vous ouvrez un article, une page, et ben ça vous dit attention, il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'éditer, tu peux pas le modifier. C'est pour éviter en fait d'écraser les modifications de quelqu'un d'autre et du coup ben, sur WordPress vous pouvez take the hand, reprendre la main et l'autre se fait log out de cet article. Et c'est à ça que servent les log files, etc. C'est pour éviter de... Et en DB ça existe aussi, hein, c'est les deadlocks, je crois que c'est le bon nom. Est-ce qu'il l'écrit quelque part là ? Attendez, sans charge lock. Voilà, c'est des deadlocks. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, en DB, vous avez des updates forts. Enfin, vous faites un lock. En gros, la DB fait un lock avant d'update la row. Et du coup, plus personne peut écrire dedans. Ça fait l'update et ça délock. Mais le problème, c'est que ça peut créer des problèmes de race conditioning, etc. Alors ça, c'est vraiment en pattern à nouveau. Hein. Faut prendre ça avec... la bonne mesure, je sais pas si c'est bon terme, mais c'est des patterns qui sont utilisés si vous avez quelque chose qui est beaucoup utilisé, hein. C'est pas votre blog qui va incrémenter de 1 votre compteur de view toutes les minutes qui va poser problème. C'est vraiment le souci là, c'est si vous avez beaucoup d'écriture et de lecture, et ben ça peut vous aider d'éviter d'avoir des compteurs, parce que les compteurs c'est quelque chose qui dégomme l'écriture sur vos DB. Donc si vous avez le compteur dans l'enregistrement principal qui est corrélé à ce compteur, et ben ça peut poser des soucis vu que vous allez l'écraser à chaque fois qu'on y accède par exemple.
Donc vraiment, ça c'est un pattern vraiment cool, j'ai trouvé. J'avais pas du tout pensé. Franchement, c'est très intéressant. C'est pas compliqué. Voilà. Moi, je suis toujours étonné des trucs simples à faire en fait pour optimiser ces applications lorsque besoin, quoi. Pas con. Oui, vraiment pas con. Perso, je bloque le RAW s'il est en édition, comme ça, pas de problème. Des deux modifs en max. Ouais, bah c'est ça. Tu locks la RAW. Dans le problème qu'on disait, pour vu que tu arrives après, c'est le problème des compteurs. Imagine, tu as un compteur de visionnage sur un article ou de téléchargement sur un fichier. Et ben chaque fois que tu vas du coup voir l'article, et ben tu vas incrémenter ce compteur. Et si le compteur, tu le stockes dans le même enregistrement, enfin dans la même table et dans le même enregistrement que ton article, et ben à chaque fois que quelqu'un va visionner ton article, ça va écrire dans cette table et ça va bloquer l'enregistrement de ton article. À chaque fois, et si tu as beaucoup de visites, et ben ça va tout simplement te bloquer ton enregistrement. Après il faut le faire, hein. Mais ça peut arriver, donc c'est ce pattern là vous évite ce problème de lock sur les enregistrements si vous avez des compteurs. Voilà, c'est pas les trucs, les deadlocks. Exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Autre point, alors bon, ça c'est sorti ce matin, je crois, Docusaurus. Voilà, 2.0 qui est sorti, Docusaurus. Donc c'est un moyen de créer des docs open source. Tout simplement, alors j'ai pas vraiment regardé plus que ça pour moi, la mise à jour, qu'est-ce qu'elle apportait. Mais concrètement, si vous avez besoin d'écrire une doc et que vous n'avez pas envie d'utiliser VitePress ou je ne sais quoi, et ben Docusaurus paraît assez sympathique. Ça utilise React et MDX. Sauf erreur, voilà, c'est pas mal utilisé, etc. C'est vraiment, ça peut vraiment être cool, suivant comment. Alors moi j'ai pas regardé plus que ça, mais sachez que la version 2.0 est sortie en tout cas. Au niveau des versions, nous avons également Tori qui est sorti en version 1.0 hier. C'était pas hier, je sais pas pourquoi ils mettent 1er août, hein, c'était le 28 juillet. Tori, qu'est-ce que c'est? Tori, c'est en fait un peu en concurrent de Electron. Ça vous permet d'écrire des applications natives Windows, Linux, macOS avec une stack JavaScript. Mais attention, Electron, c'est une stack JavaScript complète, c'est-à-dire que vous avez le serveur entre guillemets de votre app natif, enfin natif, on se comprend, hein, de votre app client lourd, on va dire, qui est écrit en Node, et vous avez le front qui est une web view Chrome, ça fait. Tori, c'est un peu le même principe, sauf que vous avez seulement la partie visuelle qui est écrite en HTML, CSS, JavaScript. Donc la partie qui intéresse vraiment les gens, entre guillemets, c'est pouvoir faire de l'UI en JS, HTML, CSS. Par contre, la partie serveur est écrite en Rust, ce qui vous permet d'avoir une application beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup moins gourmande en espace disque ainsi qu'en RAM. Voilà, Tori, ça vous permet d'avoir des applications qui utilisent 9 MB en RAM au lieu de 300, 400, 500 à cause de Chrome en fait, qui doit tourner pour lancer Node en arrière-plan. Tout simplement, Tori, c'est vraiment simple d'utilisation. Beaucoup de gens en ont peur, mais en fait il faut vous dire que la plupart des actions que vous allez effectuer seront effectuées sur votre front-end avec un framework type React, Angular, Lead, j'en sais rien. Et en fait, ben, le serveur qui est dans ces applications, okay, le back-end de l'app du client lourd, est souvent utile pour des actions lourdes ou des appels système, etc. En fait. Et je trouve que Bundle Node, complètement, c'est lourd et c'est pas forcément le plus opti parce qu'on n'en a pas énormément d'utilité. Après, tout dépend de l'app que vous faites, hein, bien évidemment. Mais on n'en a pas forcément énormément l'utilité. Et du coup, bah, c'est très très simple d'utilisation, Tori. Si on regarde un peu leur guide, hein, bon, npm install create machin. Et concrètement, comment ça se passe? Eh ben, vous, bon là, c'est pas ça, tac tac tac, quick start. Je pense qu'on aura, voilà, avec Vite, pourquoi pas, hein. Donc vous faites npm create Vite. Là, vous avez vraiment une stack front standard, hein, donc vous pouvez utiliser React, Angular, ce que vous voulez. Et ben voilà, vous avez votre page Vite standard, vous lancez, et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec écrit Hello Vite documentation. Et là c'est un browser qui est lancé, enfin une web view qui est lancée avec votre code front que vous avez écrit. Et concrètement, il faut que je change de terminologie. Qu'est-ce qui se passe? Et ben chaque fois que vous voulez appeler du Rust, et ben vous avez une API qui s'appelle Invoke, voilà, non, qui s'appelle Invoke, voilà, qui est une API asynchrone. Et dans votre Rust, vous avez juste des fonctions définies, voilà. Par exemple, là, vous avez une commande qui s'appelle greet, qui récupère un string et qui renvoie hello avec le nom du string.
Voilà, vous le définissez simplement qui peut être invocable dans votre main. Et après, dans votre front, vous faites un invoke greet, le nom de la fonction, avec un payload qui a les paramètres, et vous recevez ici la réponse. Donc ça va exécuter le code Rust, et vous retournez la réponse. Donc franchement, c'est extrêmement simple à utiliser. Ça vous demande pas une énorme connaissance en Rust non plus, vu que c'est vraiment du... vous créez des méthodes petit à petit quand vous avez besoin de call système ou de traitements lourds qui sont plus optimisés à faire dans d'autres langages que le JavaScript. Et au final, ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez une UI qui est faite en HTML, CSS et JavaScript. Et franchement, ça c'est oufissime. Moi je trouve, on pourra faire un petit live de démo, de test dessus surtout. Parce que c'est vraiment cool, ça évite parce qu'à nouveau les gens qui utilisent Electron généralement c'est pour pouvoir faire une interface en HTML, CSS, JavaScript et pas forcément pour la puissance d'avoir Node en back-end de votre app quoi. Donc c'est vraiment cool. Le projet Calamar Manta full layer de privacy sur Samet History, justement je connaissais pas du tout mais on dirait que des gens commencent à se pencher dessus. Ouais, vous avez aussi Explorer, je crois que ça s'appelle, voilà, qui est un qui est en File Explorer open source qui marche sur Windows, Linux et macOS. Donc c'est un explorateur de fichiers tout simplement qui remplace votre explorateur, donc cette chose là. Ok, ou Finder, ou je sais pas comment ça s'appelle sur Linux, qui est fait complètement en Tori. Hein. Donc toute lui là est faite en JavaScript natif, je crois. En plus, il n'y a pas de framework front. Et le back, s'il y a besoin de back à nouveau, est fait en Rust. Voilà. Et du coup, comme démo, c'est vraiment cool. Tout est open source là. Et ça, c'est fait avec Tori, par exemple. Et ce sont des applications qui utilisent très très peu de RAM et autres, grâce au fait que ça ne doit pas bundle Chrome au complet, quoi. C'est vraiment cool. Mais donc, c'est que pour le front. Alors, c'est pas que pour le front. Enfin, tu peux utiliser du JS que pour le front, par rapport à Electron. Tu peux utiliser pour le front et pour le... alors, j'ai serveur, je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais le côté back de votre client lourd. Et là, tu utilises Rust à la place. Donc, c'est cool. Moi je trouve ça cool parce que ça permet d'avoir des trucs plus légers et c'est un peu le même principe que je disais pour les WebSockets au début. Je pense, et peut-être je me trompe, hein, mais je pense que les gens qui utilisent Electron, c'est surtout pour pouvoir écrire une UI en HTML, CSS et JavaScript et pas forcément pour le fait de pouvoir avoir Node à disposition également côté client quoi. Et ce genre de système Tori vous permettrait de faire ça en plus optimisé. Faut connaître, non pas forcément, faut pas connaître le Rust. Tout dépend ce que tu veux faire comme application. Enfin, tout dépend ce que tu veux faire comme application. Pas forcément obligé de connaître le Rust. Voilà. À nouveau, tout dépend. Mais vraiment cool. Moi je trouve ça énorme. Je regarde si j'ai d'autres trucs à papoter au-dessus. Bon, il y a Vite 3 qui est sorti. Mais ça, la plupart l'ont déjà vu. Mais je crois que c'est à peu près tout. Ah non, un dernier truc aussi. Discord revient sur ce qu'ils avaient fait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont migré React Native vers du Android natif. Et ils reviennent vers du React Native pour l'application Android, en tout cas. Voilà, et du coup, il re-switch sur React Native pour l'app Android plutôt que du natif qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Et sauf erreur, on peut retrouver un article de eux qui disent l'inverse il y a quelques années, comme quoi ils switchaient sur du natif plutôt que du React Native pour Android. Ils ont changé leur dev, peut-être. Et salut FabGuess, hello, bienvenue, bienvenue sur le stream. Mais voilà, je crois que j'ai plus rien à dire là. Je crois qu'on a fait le tour des news là. On a fait en combien de temps? 49 minutes. Oh, mais ça va, c'est assez rapide. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs. Non, je crois pas. On peut parler d'autres trucs qui datent un peu plus, mais le matching pattern en JS Surfer est plus en stage 1. Il va passer Surfer en stage 2 très très prochainement, qui nous permettrait d'avoir du pattern matching dans le langage, enfin dans l'aspect ECMAScript tout simplement. Ce qui vous permet de faire ce genre de choses ici. Donc c'est plutôt sympathique.
Et Safar, il va passer un stage 2. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Déjà fini. Alors le live n'est pas forcément fini, maintenant on peut papoter, mais moi, après, j'ai plus d'infos, plus de live news à vous transmettre. Ah si, j'ai encore un autre truc. Tac, si je vais voir là, Unpoly passe bientôt en version 3. Alors tac, Unpoly qui va passer prochainement, je crois, fin août, il me semble, en version 3. Unpoly, qu'est-ce que c'est? Unpoly, c'est un entre guillemets framework slash librairie JavaScript qui vous permet d'écrire des UI très slick, très natif, comme on peut si vous avez une SPA avec Angular, React ou Vue, etc., mais sans utiliser du JavaScript tout simplement, et en utilisant beaucoup plus votre serveur qui est puissant que le client. C'est-à-dire, par exemple, pour les modales en général, si vous faites une SPA avec React, avec Angular, avec Vue, avec Svelte, j'en sais rien, et ben votre modèle est géré complètement côté client. C'est-à-dire, vous appuyez sur un bouton, là, pouf, vous faites afficher un modal que vous pouvez fermer avec Escape, j'en sais rien, cliquer sur le fond, etc. Et tout ça est géré côté client. C'est-à-dire que, bon, alors si le JavaScript est disable, personne ne le fait, mais si c'est le cas, ça ne marche plus. Et l'autre point, c'est que si ça plante, si dans un moment votre application plante, le JS ne fonctionne plus non plus. Ça, c'est beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais si le JS ça plante, voilà, vous devez faire F5. Et Unpoly vous permet en fait de réaliser ce genre d'application en utilisant votre serveur, c'est-à-dire que le modal concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller charger sur le serveur l'information et pouf, vous l'affichez côté client après, en asynchrone. Et du coup, le tout le bénéfice de ça, c'est que vous utilisez votre serveur, c'est-à-dire vous utilisez le language templating de votre serveur, ça peut être Edge, ça peut être Blade, ça peut être Twig, ça peut être genre, je ne sais quoi, ERB pour du Ruby par exemple. Et du coup, si là le JavaScript ne fonctionne pas, bah en fait ça reste en lien et le navigateur va simplement voir le lien et va ouvrir la page dans une page au lieu de l'ouvrir dans un modal, etc. Et Unpoly, ça vous permet de faire ça très très facilement. Ce faire, c'est beaucoup utilisé sur le client mail Hey et eux ils utilisent Hotwire pour ça. alors c'est pas ça, j'ai eu chaud, Hotwire.dev. Je sais pas ce que c'était. Et eux, ils font un exemple ici dans chat. Également, ça marche aussi avec les formulaires. Donc, ça va utiliser en même temps une sorte de turbolinks à l'arrière-plan. Donc, ça veut dire que quand vous cliquez sur un lien, ça va envoyer une requête asynchrone au serveur. Le serveur va vous dire, enfin, le client va dire, j'aimerais rendre le body de cette page. Le serveur rend que le body et pas le contour du body. Et après, le client va simplement écraser son body pour le remplacer. Ce qui permet d'avoir des interfaces où vous avez un peu, je vais zoomer, des sortes de frames. Ok, donc là vous avez une frame en haut qui est le formulaire. Ici en haut de formulaire, et là c'est le body. Et donc vous voyez quand vous éditez les frames, que elles se mettent à jour et pas l'entier de la page, etc. Là pareil, là quand ils vont se chatter, bon là c'est plus ça, voilà. Là, il parle par exemple ce menu-là, qui est quand vous cliquez sur ouvrir le menu, ce menu-là, et n'est pas du tout sur le client stocké, il est stocké sur le serveur à un endroit. Et quand vous cliquez pour afficher le menu, ça va demander au serveur de rendre ce menu et pouf, de l'afficher. Ce qui est vraiment très très pratique. Attends, je l'ai juste pas sûr que ce soit le bon chat ni l'idée de ce stream, mais j'aimerais bien profiter des queues et de ton package, notamment. On peut le faire sur Discord ou sur GitHub, on peut le faire plutôt ce soir. et Denis, on est où? Ah, Denis, c'est très très bien. Donc plusieurs calls pour une vue. Alors ça dépend. Et du coup, attendez, je vais finir mon explication. Ils passent en V3, et en V3, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors je crois pas qu'ils vont ditch jQuery, mais ça c'est pas... On s'en fout un peu. Ils ont corrigé beaucoup de problèmes de concurrence. Bon, là, il y a des exemples de caching, etc. Et ils ont rajouté pas mal d'API. Alors, concrètement, pour nous, les utilisateurs, ça n'a pas changé énormément. Mais je peux vous faire une petite démo. Vous connaissez l'app de Joke de Remix? Voilà. Et ben, elle a été refaite sur Adonis. Et là, si je me connecte en tant que 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, j'imagine que le compte est déjà créé. Non, c'est bon. Ici, quand j'ajoute une joke, ok, joke 1, haha, et que j'ajoute ma joke. On peut voir que dans l'UI ici, quand j'ajoute une joke ou quand je liste ma joke, ok, quand j'affiche ma joke, j'ai ici la liste des jokes qui est affichée. Ok. Donc comment vous ferez ça de base? Eh ben, vous avez plusieurs moyens. Mais concrètement, là, il faut que je récupère la liste des jokes. Ok.
pour afficher ma liste des jokes. Ici, c'est en menu, mais qui est dans lui. Okay. Et le problème de faire ça, concrètement, c'est que soit vous le faites d'une manière dégueulasse, et donc que vous avez en... Donc vous avez dans chaque camp de vos contrôleurs qui affiche la page la récupération des jokes, dégueulasse, ne le faites pas. Soit vous le faites la récupération depuis la vue. Ok, c'est déjà un peu plus propre, ça vous évite dans chacun de vos contrôleurs d'afficher la joke. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je change de page, ben vous allez recharger les jokes. Alors qu'elles ne changent pas forcément, vous voyez ce que je veux dire. Et avec Unpoly, ben là, par exemple, quand je clique Add Your Own, Unpoly va dire, eh ben écoute, j'aimerais re-rendre que le main, donc que le formulaire ici. Cette partie-là, la sidebar ou même le header, je m'en bats les reins. Moi, je veux que le main. Et le serveur peut écouter sur ces informations et se dire, ok, il veut que je rende que le main, je ne vais pas rendre le reste. Et donc, si vous faites le fetch dans votre vue, eh ben, cette partie-là ne va pas être refetch. Donc, vous n'aurez pas un call DB afin de réafficher cette vue. Et d'ailleurs, si on va voir le network tab ici et que je zoome un peu, si je suis ici, je clique sur Audio. Alors, je vais refresh parce qu'il y a le cache également. Donc là, je suis là, je vais read jokes, ok, je clique sur Add Your Own. Et ici, dans la page Create, si je vais voir la réponse, on peut voir que, effectivement, je n'ai pas ici la sidebar qui est affichée. Ok, je l'ai ici, ok, quand je veux afficher mes jokes. Et quand j'affiche Create, je ne l'ai pas. Par contre, si je fais un F5, ici, alors je ne suis pas en XHR, le Create, ici, j'ai bien la page des jokes. Et à l'inverse, quand je vais sur... ouvre ma joke ici, je n'ai plus la sidebar, ok. Et on peut voir ici qu'on demande du coup de d'afficher seulement le layout, main, etc. Donc ça marche beaucoup avec les headers HTTP et ça vous permet concrètement d'écrire une application qui est un peu en look natif. Hein. Seton a été écrite avec Unpoly. Si je me log ici sur mon compte. Voilà. Cet un a été écrit avec Unpoly en tête. Oh, c'est marrant ça. Concrètement, quand vous cliquez sur Add Project ici, ce modèle-là est complètement géré côté serveur. Hein. Ça, c'est ce modèle-là est généré côté serveur. Si je fais create d'ailleurs et que je fais un truc faux ici, eh ben j'ai un bug. Super. Si je clique ici sur delete, par exemple, ce modèle est géré côté serveur. Ok, si je fais un F5, ça m'affiche ici la page qui aurait dû être affichée si j'avais pas le JavaScript activé. Et c'est pareil pour le billing, hein, tout est géré côté serveur. Il y a vraiment très très peu de JS côté client. Ça aussi, cette édition-là est gérée côté serveur, etc., etc. Et ça, c'est grâce à Unpoly tout simplement, qui vous permet d'avoir une UI en fait qui est très rapide. Quand vous cliquez à droite à gauche, ça vous fait, ben, voilà, on peut voir, hein, c'est instantané. Hein, alors que tout ça, c'est du rendu côté serveur. Et ben, c'est pour montrer un peu aux gens qu'on peut faire une UI très rapide, très dynamique, avec des transitions, je ne sais quoi, des rendus partiels et autres, sans devoir se taper en client type React, Vue, Svelte, Angular ou je ne sais quoi. Vous pouvez très bien travailler sur votre serveur, utiliser le langage que vous connaissez, donc hein, Ruby, PHP, je ne sais quoi, et faire du rendu côté serveur, ça vous évite d'apprendre un nouveau langage, etc., etc. C'est aussi comme ça que Vue fait son taf d'ailleurs, où je parle... Non, tu es à côté de la PAC. d'ailleurs, on a reconstruit, hein, si vous allez voir sur mon YouTube... Attends, je vais l'ouvrir ailleurs. Si vous voulez voir sur mon YouTube, on a fait un live complet où on reconstruisait, nous, en français, l'application de Remix. Donc mon YouTube, vous avez le lien en bas, hein, normalement. Si vous voulez aller voir, il y a toutes les VOD de mes lives. Et sauf erreur, je suis en train de regarder. Attendez. Voilà. Hop. Voilà, donc là on avait fait un live où on a refait l'app de démo jokes de Remix, c'est un live de 2 heures à peu près, où on utilise du coup Unpoly à souhait dans Adonis. Alors c'est pas du tout celui-là, pourquoi il m'a changé là? What? Je peux pas revenir en arrière. Insane. C'est insane. Alors attendez, j'entends dans les vidéos, on refait l'app, voilà, elle est là. Et du coup, je crois que j'ai appuyé sur ce bouton, non j'en sais rien. Et du coup, ben, on a fait d'autres trucs, hein.
je pense. Ah non, on a... Ouais, non, je sais pas ce qu'on a fait d'autre. Mais concrètement, on réécrit l'app de jokes avec le système des jokes sur le côté. On explique pourquoi c'est utile, pourquoi on doit... c'est utile d'utiliser une poly dans ce cas-là. Et là, bon, on fait tout côté serveur. Hein. Côté client, on n'a aucun JS. Concrètement, on fait tout côté serveur. La validation des données, etc. etc. Donc vraiment, live intéressant, si ça vous dit. Tu fais quoi dans la vie? Je suis développeur. Il glande, je troll. Oh là là. Exactement. Je fais du dev et de live Twitch. Yes. Non, je suis dev en CDI pour le moment. Voilà, tout simplement. Et mon but dans la vie, c'est de devenir formateur et d'apprendre des choses aux gens. Voilà. D'ailleurs. Vu qu'on va gentiment couper le live, enfin on peut papoter encore un moment, mais j'ai plus trop d'autres infos à vous donner, je crois, il me semble. Au pire, ça me reviendra. Petite information, donc dans les prochains lives de prévu, on va refaire complètement cet overlay. Hein. L'overlay est complètement géré en JavaScript, que ce soit le truc en bas, la musique, bon la caméra, non, ou ça, voilà. Ces trucs que j'envoie là, tout ça c'est géré en JS. Avec Vue, ça fait rien. Et on va le réécrire complètement avec peut-être une nouvelle UI, enfin un peu un truc un peu plus sexy. On va remettre le chat aussi. Donc tout est fait en JS, c'est open source, c'est sur mon GitHub, GitHub pour les intimes. Donc on va se faire en live une fois que j'aurai un peu une idée. Hein. Moi je suis pas graphiste, j'ai très tendance à partir dans des trips. On se lance et puis ça va être dégueulasse. Donc je vais attendre d'avoir un vrai design. pour le faire, voilà, donc ça c'est prévu prochainement. Deuxième truc, Actory, donc exactement Actory. Deuxième truc prévu prochainement, on va avancer dans Slywork aussi. Slywork, pour ceux qui ne savent pas, il y a une commande dans le chat, mais Slywork a objectif de devenir un site de formation JavaScript. Voilà, ben, pour moi il n'y a rien, hein, on va pas se le cacher. Un site de formation JavaScript gratuit et avec des trucs payants aussi pour la plupart. Ça, je verrai encore le modèle économique. Mais comme je vous explique, mon but, moi, c'est toujours de partager la connaissance. J'adore faire ça et je trouve que c'est important pour développeurs de tout niveau de partager ses connaissances. Nous sommes des êtres humains. Si nous ne partageons pas nos connaissances, nous sommes débiles parce que ça nous permet, c'est tout le concept du mentorat ou autre, ça permet d'aider quelqu'un et de se faire aider également en retour hein, parce qu'on en apprend tout le temps, tous les jours avec HypoQuiz. Non, c'est pas ça le slogan. Mais voilà, concrètement, moi, j'adore apprendre, j'adore... Et essayer d'expliquer des choses aux gens et ben j'aimerais faire un site du coup de formation. Oh, la souris comme elle se cale là-dedans, c'est l'angle parfait, c'est insane. Bref, et du coup moi c'est mon objectif de faire un site de formation sur l'orienté JavaScript, hein, donc front et back, que ce soit React, Vue, Svelte, Lit, JS natif, etc. Revoir les bases du JS. Je pars toujours du principe que quelqu'un qui n'aime pas le JavaScript, et quand je dis n'aime pas, c'est en mode déteste. Hein. On en avait parlé sur Twitter à nouveau. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, d'ailleurs. Petite promo. Mais non, mais on avait parlé sur Twitter dernièrement. Je crois que c'était avec Iris, elle avait fait un tweet dernièrement qui disait qu'elle comprenait, qu'elle demandait aux gens pourquoi ils n'aimaient pas le JS, en fait. Je sais plus où c'était, mais elle demandait aux gens pourquoi ils aimaient pas le JS. Et beaucoup de gens dans les réponses, j'ai trouvé, étaient en fait, ça se voyait qu'ils avaient soit pas compris, soit mal appris le JS, ou un peu des deux certainement. Et je pars toujours moi du principe, alors après c'est peut-être un peu débile, hein, mais que quelqu'un qui n'aime pas, genre déteste le langage, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose en fait dedans. Et je remarque souvent des gens qui l'utilisent sans avoir compris en fait les bases de la base, qui n'est pas vraiment compliqué. Et selon moi, avoir ces bases va juste vous mind blow et vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans votre apprentissage. Vous allez comprendre ce que vous faites et ça, c'est le plus important selon moi, c'est de comprendre qu'on fait quelque chose, comprendre pourquoi on fait ça, comment ça fonctionne. Et ça, c'est des trucs qui manquent énormément dans la plupart des formations. On écrit du code, on ne sait pas pourquoi on le fait. On vous dit faites ça comme ça, par exemple. Vous savez pas comment ça fonctionne derrière, vous utilisez l'asynchrone, async await, vous savez pas vraiment comment ça fonctionne. Du coup, vous avez des bugs que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'êtes pas vraiment confiant dans ce que vous faites. Et ben, mon but c'est de corriger ces problèmes-là. Et je m'en fous que vous aimiez ou pas le langage. Mon but c'est que vous compreniez au moins comment il fonctionne. Et vous avez souvent, pour beaucoup de gens, pas le choix de l'utiliser parce que c'est un des seuls langages qui existent pour le front. Voilà, avec le WebAssembly, ça risque peut-être de changer un peu, mais ça sera selon moi plus un mix des deux que seulement du WebAssembly. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, il y a U, je crois, c'est écrit en Rust. C'est un peu un React-like en Rust.
pour ceux qui aiment bien Rust et qui ont envie de s'amuser. Je crois que c'est ça. Ouais. Yes. Et du coup, ben, Slywork, le but, ça serait que ça devienne un site de formation, tout simplement, voilà, pour vous apprendre les bases et plus etiquanti et comprendre ce que vous faites vraiment pour avoir des sites de qualité après à fournir et à proposer à vos clients. Voilà, voilà. Bon, c'est un projet, incroyable projet, merci, mais c'est un projet qui existe depuis des années et que je n'avance pas parce que c'est un projet que je fais sur mon temps libre et autant vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps libre. Donc moi j'ai hâte que ça sorte aussi, mais voilà, il faut que je trouve le temps. genre la 5, belle explication sur le Discord de Gravière, je crois. Ouais, la synchrone, c'est un truc que peu de gens, enfin beaucoup de gens utilisent, mais peu de gens comprennent en fait. Et à nouveau, bah, c'est comme il y a beaucoup de gens qui conduisent une voiture sans comprendre comment la voiture fonctionne. Mais si vous comprenez comment elle fonctionne, concrètement, vous allez pouvoir beaucoup plus vite trouver pourquoi il y a un truc qui fonctionne pas. Par exemple, si vous comprenez pas pourquoi vous avez plus de puissance, peut-être vous avez, et que vous comprenez pas du tout la voiture, bah, vous allez directement l'emmener au garage, mais après vous allez peut-être. Peut-être vous dire, ah mais attendez, j'ai une bougie qui est morte, j'en sais rien, hein, tout dépend du type de voiture. Ou si votre volant commence à vibrer et vous comprenez pas du tout comment ça fonctionne, vous allez peut-être paniquer, alors que si vous comprenez comment ça fonctionne, eh ben, vous allez imaginer qu'est-ce que c'est que le problème, etc., etc. Et en fait, vraiment comprendre comment quelque chose fonctionne, ça vous permet d'être beaucoup plus confiant dans ce que vous faites, tout simplement. Hein. Il suffit de voir quand vous cuisinez, hein. Si vous comprenez que cuire c'est évaporer l'eau des aliments par exemple, je ne sais quoi, ben vous allez peut-être comprendre plus facilement comment cuire tel ou tel aliment, vous allez comprendre que le sel ça permet de faire ressortir l'eau des aliments, j'en sais rien, vous voyez. Et comprendre vous permet en fait de mieux faire quelque chose. Voilà. Et moi je pars toujours du principe dans tout dans la vie, hein. Quand vous comprenez comment quelque chose fonctionne, ça vous permet de le faire mieux et d'être confiant dans ce que vous faites. Et voilà, c'est mon but. J'attends le GS, j'ai l'environnement nude. Ah bah peut-être. beaucoup de personnes ont fait du Python ou autre et en arrivant sur JS, ils pensent savoir en faire sans se former. Évidemment, ils ne savent pas ce qu'ils font et donc ils n'aiment pas le langage. Ah oui, bah c'est ça. En fait, concrètement, ils essayent et ils comprennent pas. En fait, il y a des parties quand même compliquées entre guillemets. Si tu viens d'autres langages dans le JS, que ce soit l'asynchrone, le système d'event loop, le système des queues, etc., etc. Et c'est souvent très mal expliqué. Ça part souvent de principe que tu connais des choses que tu connais pas. Oui, une mère, c'était teinte là. Oui. C'est pas grave. Mais voilà. Pour beaucoup, bah ça, c'est un peu le même problème qu'en PHP. C'est que c'est des gens qui sont restés au Moyen-Âge, malheureusement, et qui n'ont pas vu l'évolution du langage. Donc ouais, effectivement, depuis 2015, ça a beaucoup évolué. En prenant en compte la release de 2015, bien évidemment. Donc voilà, voilà. Donc ouais, mon but c'est de changer ça. Je crois que j'ai sorti une fois un article. Je crois que si vous tapez slash post, voilà, vous avez un truc qui s'affiche. Et j'avais sorti une fois un article un peu titre accrocheur. Là, j'ai l'air plutôt ce terme, qui expliquait comment optimiser le chargement de vos fichiers JavaScript. J'avais écrit ça sur un coup de tête parce que j'avais remarqué que beaucoup de gens mettaient encore leurs script tags pour charger le JS dans le body à la fin du body. Et en fait, ça c'est typique le cas de quelqu'un qui fait quelque chose sans qu'il comprenne pourquoi. Il fait ça parce qu'on lui a dit de faire ça. On lui a dit que c'était peut-être plus optimisé, mais il comprend pas comment ça fonctionne et pourquoi il doit faire ça concrètement. Il comprend pas. Il le fait en fait par principe. Je pense peut-être dans le chat, certains le font encore. C'est de mettre leur script tag dans le body. Et concrètement, cet article va vous expliquer en fait comment le navigateur charge vos fichiers JavaScript. Ok, là en gros il va analyser l'HTML, il va voir qu'il y a un fichier JS, il va télécharger le JS, exécuter le JS et là ça va poser l'analyse et après on reprend l'analyse d'HTML. Et concrètement du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que votre page elle se bloque et bah, ça va pas afficher que vous avez une page blanche du coup durant ce moment-là parce qu'il doit télécharger le fichier JS et l'exécuter. Voilà. Et bah, c'est pour ça que les gens ont tendance à mettre les balises à la fin du... body, parce que du coup la page est déjà chargée, est déjà affichée et après bah, ça va charger les fichiers JS. Ça c'est la raison de pourquoi ça a été, pourquoi les gens font ça. Ok. Maintenant il faut comprendre qu'il y a moyen de, en fait, de ça c'est un peu un hack de les mettre à la fin du body quoi. Il y a des moyens mieux pour que ça fonctionne bien. Alors il y a l'attribut async à rajouter dans votre script. Par exemple l'attribut async ça va simplement faire le tout en asynchrone. Donc ça c'est pratique pour des scripts qui ne dépendent de rien, hein, par exemple Google Analytics ou autre. Donc il va analyser l'HTML, ça va jamais être bloqué. Et du coup il va télécharger le JS et l'exécuter en asynchrone en même temps qu'il va parser. Voilà. Donc Google Analytics c'est ça. L'attribut defer lui c'est un peu différent. Il va charger l'HTML, il va télécharger le JS pendant qu'il charge l'HTML et il va spawn l'exécuter à la fin du parsing. Donc là il va attendre sauf erreur le DOM content loaded, voilà, qui va être exécuté. Et l'autre moyen de charger vos JS, bah, c'est de le charger en utilisant du JavaScript, hein. Par exemple quand vous avez un input search, bah, quand vous cliquez dedans, quand vous faites un focus,
on va aller télécharger le JS qui a besoin d'être téléchargé pour gérer cette search à ce moment-là seulement. Donc là, ça permet de faire du lazy loading du JS, etc. Et donc oui, avec cet article, ben, je m'étais dit, ben, pourquoi pas commencer à écrire des petits articles comme ça, donc je vais certainement continuer, qui essaye de vous expliquer en fait comment quelque chose fonctionne et quelles sont les solutions, le problème qui a fait que vous utilisez cette, ce moyen de faire et quelles sont les alternatives, quoi. Et du coup, bah, c'est ce genre de contenu. Alors, je sais pas si ce contenu-là était intéressant ou pas pour vous, mais concrètement, c'est ce genre de contenu que j'aimerais fournir et en vidéo surtout parce que je préfère les vidéos pour expliquer. C'est beaucoup plus visuel que du texte. Et voilà le concept tout en français et expliquer ça. Voilà, donc peut-être un article sur les promesses, sur les queues, sur l'event loop qui devrait arriver. Mais ça, on en reparlera plus ce soir. Je pense que c'est ce soir que on va papoter de ça. Après avoir suivi JS Outport sur Frontend Master, c'est tellement satisfaisant de savoir ce que tu fais. Ouais, clairement, sur Frontend Master, pour ceux qu'on compte, il y a les cours de Will Sentence. S'écrit avec un A, excusez-moi. Qui a fait 5 cours du coup sur le JavaScript. Et lui, c'est tableau blanc. Hein. C'est tableau blanc. Attendez, je crois que celui-là, si je fais continue watching, c'est toujours un moment intéressant. Donc là, il vous présente un bout de code concrètement. Todd, line one, what... Et après, il part au tableau, il explique la mémoire globale, comment ça fonctionne, le contexte d'exécution, et il fait des petites flèches partout. Et concrètement, vous comprenez de A à Z comment le JavaScript fonctionne, le standard. Et il fait ça aussi, bah, il vous explique concrètement tout, hein. Par exemple les promesses, etc. Donc pour ceux qui savent pas, hein, souvent les promesses utilisées avec des API venant du runtime. Voilà, donc là il vous explique là, c'est une valeur future, blablabla, bla, bla, ça fait une requête ici, ça rentre dans une feature du navigateur qui est une requête du navigateur, blablabla, bla, bla. Et vous voyez le public quoi. Donc c'est vraiment tableau blanc ou tableau noir, ça dépend de ces vidéos, et il vous explique de A à Z comment ça fonctionne. Et c'est extraordinaire pour comprendre comment le langage fonctionne et comprendre ce que vous faites, tout simplement. Voilà. C'est très important selon moi de comprendre ce que vous faites quand vous développez. Async des fins ne sont pas assez connus par les devs. Clairement, j'ai l'impression qu'ils ont recopié un article de Alza Création. Ben, en fait, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que c'est des gens qui, et beaucoup le font, hein, nous, moi compris, vous compris, hein, on va vous lire un truc. Où on va voir un truc, où on va nous apprendre un truc et on va pas questionner cette chose. On va prendre l'information telle qu'elle est et souvent ça manque d'hybride. On a genre Y, enfin on a genre C on va dire plutôt, mais on n'a pas le A et B d'avancer pour comprendre pourquoi on fait C en fait. Et bah, le problème de async diffère et de mettre les scripts en bas du body, c'est typiquement ça. C'était à l'époque, ça n'existait pas. Du coup, bah, les gens ont appris à mettre à la fin du body, comme c'est expliqué dans l'article. Et concrètement, ben les gens continuent à faire ça, les gens continuent à enseigner ça parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, pourquoi changer en fait? Et depuis, ben, y a eu d'autres attributs et malheureusement, les gens ne réquestionnent jamais leurs connaissances et se disent pas, ben, c'est un hack pour corriger un problème. Quel était ce problème? Le problème X, et ben, y a la solution YZ pour corriger le problème X plutôt que C. Pardon, oui. Et oui, cet article est sur mon site. Ouais. Mais il est caché, hein. Concrètement, voilà, il faut avoir le lien. Mon but, c'est de sortir des articles et en fait, il fallait avoir le lien pour y accéder. Parce que c'est vraiment un truc de test dégueulasse, là. Et vous ne pouvez pas du tout y accéder depuis la homepage. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il y a même un login et tout, hein, ce que j'avais fait. Attendez, slash login. Ouais, j'ai même un login. Ouais, ça date, hein. Ah, ça date. Mais on travaillera dessus, vous inquiétez pas, en stream. Mais oui, le but vraiment, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi vous faites quelque chose. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que quand vous comprenez pourquoi, après, vous pouvez même imaginer 30 000 solutions à un problème, quoi. Bref. Voilà, bah, c'était le petit stream du matin, 1h15 à peu près, voilà, c'est ce que je comptais faire. Un peu de vieille technique, un peu de blabla, n'hésitez pas à parler encore dans le chat, hein. On peut encore papoter un petit moment, mais moi, j'ai plus rien à vous présenter, ce Ferreur. Je fais le tour là. C'était tout ce que j'avais à vous présenter. On va remettre le fond d'écran tout simplement. Et ça m'a fait plaisir. Donc on se retrouve certainement ce soir vers 19h30, 20h par là à peu près pour parler du tweet, du fameux tweet sur l'apprentissage du JS. Je vais le afficher. Twitter, my profile. Et on va reprendre en fait chaque remarque des gens.
Voilà, ça, paf. Ce tweet-là, où beaucoup de gens ont expliqué le concept difficile qu'ils ont eu à comprendre. Les closures aussi, c'est pas mal là. Qu'ils ont eu à comprendre quand ils ont appris le JavaScript. Et c'est souvent les mêmes qui reviennent, donc c'est, ça va être plutôt être intéressant. Et j'aimerais bien faire une formation JS, donc on va pouvoir aussi en stream préparer un peu la formation JS, voir un peu vos attentes à vous aussi, parce que vous allez m'aider dans cette création. Ça va m'aider à avancer, si vous voulez, évidemment. Et voilà quoi, donc on se retrouve ce soir, je pense. Si vous avez rien d'autre à dire, moi je vais vous laisser. Je dois partir prochainement en Valais. Et voilà. J'espère que ce stream vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop speedo. Puis hein, vous regardez la rediff. Rediff qui sera disponible sur YouTube, je sais pas quand. Fin de semaine, je pense. Et sinon, elle est dispo sur la chaîne Twitch pour tous les subs. Sur ce, on va raider Graf. Je crois qu'il est encore en stream. Je crois qu'il est encore en stream. Yes, on va aller raider. Ou on raide Samuel Etienne. on va. Il n'a pas fini. Hein. Pour ceux qui ont le stream en duplex, il n'a pas fini. Hein. On peut le raid. Je pense. Alors, bonne journée à vous. On se retrouve ce soir. Pour ceux qui seront là ce soir, j'ai un petit bouton. Ah, vous ne voyez pas. Attendez, regardez. J'ai un bouton ici, host. Oh, c'est trop bien. Donc, on se trouve ce soir vers 19h30, 20h normalement. Et on parlera d'autres trucs. On avancera peut-être sur Slywalk. On verra. Sur ce, moi j'appuie sur ce bouton. Et tout. Alors, je crois que j'ai pas raid. Je crois que j'ai host.